Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la frise chronologique qui fait sa réapparition dans les thèmes. Pour cette démonstration, je vais utiliser la base de données des médiathèques du Grandol. Alors, je vais afficher les icônes d'administration et on va voir quelle boîte nous allons manipuler. Alors, on peut par exemple prendre les rendez-vous qui sont une boîte agenda. Et dans l'affichage, vous avez donc la nouvelle disposition de liste prise chronologique. Alors, on va médias, description à droite, et puis bah, pour que la frise contienne quelques documents, quelques rendez-vous, on va en rajouter, on va mettre 20 documents. Je valide. Et vous retrouvez donc la frise chronologique avec les rendez-vous dedans. Alors ça fonctionne également pour les boîtes de notices. Par exemple, si je veux prendre les nouveautés, et dans la disposition de la liste, on va mettre frise chronologique, on va laisser médias, et cette fois-ci au niveau des nouveautés, pareil, on va mettre une vingtaine de nouveautés, on va en mettre un peu plus. Pour les rendez-vous, et voici les nouveautés. On a des nouveautés jusqu'à mars. Image un peu pixelée. L'ensemble. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.